Bonjour à tous les amis, heureux de vous retrouver sur la chaîne Univers Seiya pour vous présenter ce Yoga V1 Revival, une nouveauté qui vient de sortir, donc certains l'ont dû la recevoir, pour d'autres elle doit être dans votre boîte aux lettres, allez regarder, ou sinon vous la recevrez d'ici quelques heures, voire quelques jours, puisqu'elle est nouvelle et elle vient de sortir. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aimer, à vous abonner et à activer les cloches de notification de la chaîne Univers Seiya afin de continuer à suivre les reviews. On va ouvrir tout ça et présenter la boîte. Donc cette nouvelle boîte V1 Revival, la voici avec le chevalier du signe yoga sur le côté. On a une très jolie pose de ce chevalier de bronze. Derrière la boîte, on peut retrouver du coup notre chevalier en mode attaque. Une photo de la pose, le totem, les trois visages. Donc on va regarder ça puisque les visages, vous savez, ça fait un petit peu polémique. C'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti la version Revival. On va voir si ça va. Voilà, si ça va le faire. On va s'en rendre compte. Ou si le visage est encore raté sur cette version Revival. C'est parti, on ouvre la boîte. Donc comme vous avez pu rendre compte, la boîte est en une seule partie comme sur toutes les Revival. Elle n'est pas dans la double enveloppe cartonnée avec le système de scratch qui sépare les deux parties, donc partie où il y a l'armure et l'autre côté où il y a le totem. Là donc c'est une boîte toute unie, les deux boosters sont donc du coup emboîtés l'un dans l'autre avec la figurine et le totem. Donc voici le contenu de la boîte. Donc on voit notre petit yoga avec ses deux visages supplémentaires ainsi que le nouveau visage de cette Revival. On va en parler, ça fait un petit peu polémique, vous pouvez déjà vous rendre compte un petit peu, je ne sais pas pourquoi ce coup de ce yoga est un petit peu plus long. Donc voilà pour les pièces du totem également, ainsi que l'armure du chevalier. À l'intérieur bien sûr. Nous allons également retrouver le manuel de montage. Voici. On ouvre tout. Ah, j'étais tellement excité de vous la présenter. Je l'ai reçue hier. Donc du coup, je me suis empressé de vous faire la review. Donc le soir même, pour vous la poster le lendemain. Donc aujourd'hui. Donc voilà le manuel. Classique. Avec des indications de montage de la figurine ainsi que du totem. Et derrière, le rendu final des yoga et du totem. Je vais vous faire un petit focus au niveau des pièces, puisque à chaque fois à travers les blisters, nous ne pouvons pas forcément nous apercevoir des pièces du rendu. Donc on va voir ça de suite. Voilà. Donc le yoga, hein, vous pouvez le voir au niveau du visage, il y a une amélioration comparée à la version classique, mais je trouve encore que ce n'est pas très très bien réussi. Pourtant, ils avaient le temps de nous faire ça. Je ne sais pas si vous avez le Shiryu V1 Revival qui est sorti au mois de juillet, et je le trouve sublime par contre au niveau du visage. Donc là, je ne sais pas, ils avaient le temps de faire quelque chose de bien, et ils ne l'ont pas forcément réussi. Je vais m'occuper du montage pour le totem. Vous allez voir, j'ai fait un nouveau fond pour le diorama de présentation du totem et de la figurine. Voilà le sublime totem du signe. Très beau totem du signe. Alors, j'ai pas forcément galéré pour le monter, mais ça a été un petit peu plus compliqué que pour certains autres totems à monter.
Donc le voilà, il est très beau. J'aime beaucoup la partie avant du totem. Je trouve que ça rend super bien. Par contre, c'est vrai qu'il derrière, toute cette longueur, disons qu'en plus toute l'armure est concentrée à l'arrière du totem. Tout à l'heure, je vais faire un petit zoom avant pour que vous puissiez vous en apercevoir. Mais le rendu est très beau. J'aime beaucoup le socle du totem qui représente le bouclier de la figurine. J'espère que vous appréciez ce joli fond également derrière. Donc j'ai décidé donc de garder le duo que j'avais confectionné pour ça et de changer les fonds derrière selon les arcs ainsi que les éclairages qui iront avec les fonds du diorama pour chaque figurine, pour chaque arc plutôt. Mais je vais pas changer pour chaque figurine, mais surtout pour chaque arc. Donc il y aura un fond différent et un éclairage particulier pour les mettre en valeur. Voilà, on va s'approcher un petit peu plus afin de voir toutes les pièces de l'armure sur le totem. Il est très très beau. Les pièces brillent bien, j'aime beaucoup. Je vais vous laisser apprécier un petit peu et on va se retrouver pour la partie du montage de la figurine. On va attaquer donc le montage, focus sur le nouveau visage de Gyoga ainsi que la chevelure. Et je vais essayer de m'appliquer à vous faire le montage de la figurine sur ce sublime diorama que j'ai confectionné pour vous. Je vais faire un petit historique rapide sur Gyoga. Donc Gyoga qui est mi-japonais, mi-russe par le biais de sa mère, d'où celle-ci décède dans un accident tragique de bateau dans les eaux de Sibérie. Yoga intègre ainsi l'orphelinat et voudra devenir chevalier afin de pouvoir acquérir force pour pouvoir aller sur le tombeau de sa mère dans les profondeurs de l'océan. L'armure du cygne lui est attitrée lors du tirage au sort et son entraînement le fera sur la glace et la neige avec son maître qui sera Camus. Pour d'autres, pensent que son maître est Cristal, mais Camus est son véritable maître. Il lui fera également la connaissance d'un autre petit qui s'appelle Isaac. Yoga n'aura de cesse de répéter de vouloir voir sa mère et d'aller pouvoir la revoir dans le tombeau de ce bateau. Et lors d'une tentative de plongée de celui-ci afin d'aller retrouver sa mère, Yoga est emporté par le courant et Isaac, qui n'était pas très loin, donc du coup s'est chargé de le sauver, mais il perdra la vue d'un œil lors de ce sauvetage de Yoga et sombrera dans les eaux, mais sera sauvé par un animal marin qui n'est autre que le Kraken. Isaac sera donc l'adversaire dans l'arc Poséidon, sous Poséidon, et portera l'armure donc du Kraken. Yoga qui se battra donc contre son maître Camus lors de la bataille du sanctuaire et à l'intérieur de la 11e maison du Zodiaque. Un combat d'ailleurs très triste, très émouvant, où les deux n'auront de cesse de pleurer lors de ce combat et où Yoga atteindra le zéro absolu en éveillant son septième sens. Ils exécuteront tous les deux Aurora Exécution et Camus sera ainsi vaincu par son élève, par son disciple.
Alors, yoga participera à de nombreux combats et de nombreuses batailles. Un autre combat aussi que j'ai beaucoup aimé est celui de l'arc d'Asgard, où celui-ci se bat contre Hagen de Merak. Très joli combat également du chevalier du phénix. Alors je lui ajoute ainsi les mains pour pouvoir faire la pose de l'exécution, Aurora exécution pardon, ou le tonnerre de l'aube. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que lors du montage, j'ai monté le plastron large. Il est fourni également dans la boîte un plastron beaucoup plus fin qui nous permettra ainsi de pouvoir rapprocher et de pouvoir fermer les bras, de pouvoir avoir les deux mains fermées, serrées, afin de pouvoir faire cette jolie pose. Avec ce plastron là, le premier plastron le grand, vous ne pourrez pas y arriver. Voilà, la figurine est montée et je vous prépare le posing. Voici donc la première pose avec notre yoga en position tonnerre de l'aube ou Aurora exécution, car les deux techniques finales se ressemblent. Enfin, la même pose est exécutée lors de ces deux attaques. Donc le voici dans cette très jolie pose que je vous laisse ainsi profiter. On le regardera d'un peu plus près aussi afin de se voir un peu mieux du rendu. Très joli rendu dans cette pose de ce tonnerre de l'aube. Voilà, je vous ai fait un petit zoom afin que vous puissiez vous en apercevoir et voir un peu mieux les détails. Et voilà la deuxième pose où il est en train d'accomplir son attaque de poussière de diamant, où à la fin de l'attaque, de sa position d'attaque, apparaît derrière la constellation du cygne afin de le représenter. La pose est sympa. Bon, je préfère mieux la première, je vous dis quand même ma petite préférence. Une figurine dans l'ensemble très belle, très agréable. On en rediscutera juste après pour ce qui est des points positifs, points négatifs, et voir ce que je pense finalement de cette figurine. Un petit zoom sur son visage, hein, qui est la principale nouveauté sur cette figurine. Alors pour les points positifs, eh bien, comme vous avez pu constater, il y a une certaine amélioration du visage ainsi que de la chevelure. Et pour les points négatifs, eh bien, le visage n'est pas forcément au top. Et il y a également ce cou qui est un petit peu long. Alors ils auraient pu faire quelque chose au niveau de la chevelure. Peut-être la rendre un peu plus articulée afin de cacher ce coup. Bon, sinon, dans l'ensemble, je lui donne un 7,5 sur 10. À bientôt les amis chevaliers.